Sur Fortnite, je suis définitivement un noob. J'ai déjà joué sur ma chaîne il y a fort, fort longtemps. Et là, on me dit, Steve, le jeu a changé. Je l'ai découvert en live l'autre jour très rapidement. J'en avais même fait un Reel et un TikTok. Sauf que je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? J'avais envie de faire une nouvelle série qui s'appelle « Un noob joue à ». Des jeux qui sont extrêmement populaires, mais auxquels je suis une merde monumentale. C'est le cas d'un jeu comme celui-ci. Et là, on me dit, Fortnite, c'est plus que tu crois. J'ai aucune idée pourquoi j'ai une pub qui vient d'apparaître. What the fuck? Bref, c'est devenu Roblox, le truc. Donc, c'est plus le jeu que tu connais. Tu peux jouer à une chier de jeux en tout genre. Pourquoi que Lego Fortnite? Pour commencer, d'accord? Et là, si je veux juste jouer à un bon vieux Fortnite, je crois que c'est ça ici. Battle Royale? Ouais, je crois que c'est le celui d'origine. Mais Rocket Racing? What the fuck? Moi, le pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est le zéro construction. C'est tout. Un bon vieux Fortnite où t'as pas de construction. Let's go! Moi, mon but là, aujourd'hui, là, dans cette vidéo, c'est de vous faire grincer des dents. Quand c'est un jeu pro-player comme ça, et que vous voyez une merde monumentale comme moi jouer à un jeu pro... Man! On s'amuse, c'est tout. C'est le plaisir. On commence, mais moi, je le partage avec vous. Mais j'ai déjà joué, mais j'ai complètement oublié les bases. Ça fait des années que j'ai pas joué. À part la dernière fois quand j'ai fait une story, mais j'ai fait une putain de game. Holy shit! Freaking nice! Il y a tellement de personnages en tout genre maintenant. Évidemment, il y en a déjà deux ici. Ça lag, putain de merde. Oh, je sens que ça va être catastrophique. Je suis vraiment pas un joueur... Je comprends qu'il peut être fun. Quand tu regardes la plupart des ados, à peu près tout le monde y joue, mais je déteste le fait que tu construis. Puis ça, c'est vraiment juste mon avis personnel. Tant mieux si, étant pro-player, t'as le côté excitant que tu peux te construire des choses. Mais moi, d'arriver, tu prends les objets, puis... T'as créé une tour de 100 mètres? Non. Non, ça fonctionne pas. Je veux dire, j'arriverai jamais à jouer comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Alors, juste de jouer, c'est... Tu peux pas jouer un jeu comme ça, puis juste faire... Moi, je suis un vieux de la vieille, tu comprends? Moi, je suis juste le genre de personne qui joue un bon vieux code. Les premiers, là, où t'avais 6 choix de gun, t'intégrais un soldat, et le but, c'était de faire comme une vraie partie de paintball IRL. T'as pas d'artifice, t'as rien, tu fais juste jouer, t'es bon, tu gun, that's it. Y a des jeux qui ressemblent à ça, là, c'est parce que je fais une référence à Fortnite, mais t'as des jeux qui ressemblent encore à ça aujourd'hui. Mais je prends exemple avec le nouveau COD, je m'y connais rien hein, dans ce genre de jeu-là, des FPS et tout. Je joue jamais à ça, je suis nul, je me pratique pas. Et le fait que je me pratique pas, je vais toujours rester nul, mais j'ai... Tu regardes le nouveau code, j'ai vu des bandes-annonces et tout, c'est rendu ça, le Fortnite, un peu comme Apple. Apple qui influence à mort le style, la mode, ce genre de choses-là. Ben, même chose, Fortnite a influencé à mort le style, ça l'a bousculé littéralement la façon que les jeux de ce genre ont été conçus. Parce que tu regardes, par exemple... justement, code avec Modern Warfare, je sais même pas si c'est de lui que je parle, mais il y en a un, c'est... Oh, c'est incroyable, t'as des skins, mais complètement perchés, ça fait aucun sens, ça ressemble en rien à Modern Warfare, qui était de base un jeu qui était ultra sérieux, limite, qui te donnait une impression que c'était réaliste. Aujourd'hui, c'est tu peux avoir des skins, mais je veux dire, c'est... En tout cas... En même temps... Ah! Bon, moi, je vais crever. J'ai rien. J'ai une pioche. J'ai une clé en or pour accéder à ton cœur. Oh! Ouais, j'ai des ailes! J'ai un petit gun. C'est sûr que c'est un bot. Ça peut pas être un joueur. Ça peut pas être un joueur, ça. Ah,
Ah, c'est un... OK, c'est un bot. Y'a personne qui peut être mauvais comme moi. Personne! OK, n'importe qui commence à jouer à ce jeu est meilleur que moi. Et je fais pas ici près, d'accord? Je vous le promets, j'essaie des choses, c'est tout. J'ai juste pas l'habitude. Je crois que je vais vraiment m'amuser avec cette série-là. Il y a des jeux vraiment complexes que je veux jouer. On m'en a déjà parlé de plusieurs, puis je sais que dans l'espace commentaire, vous allez vous régaler à me donner des jeux. Tu sais, je pense par exemple à un noob joue à StarCraft. Un noob joue à Baldur's Gate 3. Un noob joue à Warcraft. Un noob joue à... C'est vraiment des jeux qui sont réputés pour être complexes, pour être... tu sais que t'as besoin de connaître le style et tout. Aucune idée de ce que je viens de faire. Donc, yeah. Je sais même pas quel gun est bon. Je sais même pas ce que je peux... J'ai même pas mangé de dommages. Attends, ça, je crois que ça peut... Ça me donne du shield, right? Attends, comment je fais? OK. Oui! OK. Ça prend du shield. That's it. Lequel est le meilleur? Y'a pas un truc de statistique qui te permet de savoir... Oh, y'a des coffres partout ici, c'est cool. Des bananes. Qu'est-ce que ça fait, une banane? Fruits défendus. J'ai aucune idée ce que ça fait. OK. Qu'est-ce qu'ils font, les ailes? Je peux voler? Ah! J'imagine que je pouvais pas... Comment ça fonctionne? Pas encore prêt? Comment pas encore prêt? Là maintenant je peux? Oh nice! What? C'est badass! Je vais sûrement crever comme un beau phénix dans les airs. Oh! C'est si beau! Jeez! Je savais pas que je pouvais faire ça! J'annule tout le monde sur le champ de bataille, je suis prêt à faire un top 1! Mais le pire, c'est que je comprends totalement... Hey, c'est un véhicule de Cyberpunk? Ok, tiens, on va prendre ça ici. Moi, je suis comme ça, en plein milieu, telle une magnifique gazelle qui broute de l'herbe. J'aimerais mieux brouter ta mère. Attends. Je suis protégé par un arbre, tu peux rien faire contre moi! Tu peux rien faire contre moi! Je suis un bel oiseau! Je m'en vais! Regarde comme je suis belle! Boom, motherfucker! J'imagine que j'ai du potentiel caché. Si seulement je me battais contre des joueurs. Si seulement je me battais contre des joueurs. Je suis toute seule! J'ai pété aucun joueur jusqu'à maintenant, c'est officiel! OK? Non, ça vient de... Ça, clairement, ça vient de Cyberpunk. C'est, je veux dire, c'est des petits jeux comme ça que je trouve nice, qui me permet de faire des épisodes Zeus. La foudre de Zeus. J'imagine que c'est ultra puissant, ce truc. On va essayer sur un autre bot! Comment tu fais pour savoir... Quand c'est un joueur ou quand c'est un bot, par exemple. On me dit, il y a tellement de joueurs sur Fortnite, je comprends pas pourquoi que si je joue, ça serait rempli de bots. Je veux dire, c'est un jeu, il me semble que quand t'as un matchmaking, t'attends jamais. T'es pas supposé d'avoir à dire, ah, oh, il manque de joueurs, fait qu'on va remplir, on va remplir la game avec des bots. C'est pas supposé. Ou alors, vous allez me dire dans l'espace commentaire, non, Steel, t'as éclaté des joueurs. Merde, s'il y a éclaté des joueurs, je savais pas que c'était possible d'être plus mauvais que moi. Là, je veux dire, c'est... Je suis...
Je suis l'incarnation de la déception à ce genre de jeu. Je recherche de la victime. Je sais même pas comment je fais pour débarquer de mon... Comment je fais pour débarquer de la moto? Yeah, je suis passager. Comment je fais pour débarquer de la moto? Ok, comme ça. Je vais crever à cause de la zone, même pas parce que je suis mort par un joueur. Ah! Come on, come on, come on. Bouffe, motherfucker! Y'a un beau titre, y'a un beau titre. Go, 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 go! Ça doit se prendre, ça! Ça doit chauffer, ce bateau-là! J'étais sûr que je pouvais piloter un bateau! Comment je fais pour... Yes! Sauf que là, je suis zéro. Tout le monde me voit. Ha! Ah, t'es le magnifique Phoenix. J'ai plus de... Oui, il me reste un éclair de Zeus. Mais j'ai plus de HP rien parce que j'ai arrêté de ramasser le stuff. J'étais concentré à être un pro player MLG, motherfucker. Attends, il y a des trucs qui traînent là-bas. Je suis correct. Je suis dans la zone. Yeah! Hey, je m'attendais... Mais ils sont tous pourris, je veux dire, je suis désolé, j'ai aucun putain de mérite. J'ai aucun mérite là-dedans, là. Je veux dire, zéro. Moi, j'ai un éclair de Zeus, je suis heureux. Je regarde même pas autour de moi, tu vois comment je m'embranle. Je sais même pas qu'est-ce que tout ça fait. Normal, je joue pas au jeu! T'attends à quoi? C'est comme si le mec, il ouvrait un board game pour la première fois, puis il sait déjà tous les jetons et tous les cartes font quoi. À force de jouer, puis à force d'apprendre le jeu, tu sais qui fait quoi. T'sais, par exemple, ce Super Sniper Elite Motherfucker-là est ultra puissant, par exemple. Donc, je vais essayer le Sniper. I guess que je peux... What the fuck is that? T'as vu comment je tire? T'as vu comment je suis bon à la souris? Je peux pas... Je peux juste pas sniper, je vais tirer 75 fois à côté. J'aurais aimé ça peut-être me faire un peu de shield. Mais tout le monde ramasse les shields et tout. Faudrait que je ramasse encore du coffre. Oh my gosh. C'est pas possible! C'est pas possible! C'est des bots! Impossible que des bots ne me butent pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, commande répare. C'est bien long, charger ce gun-là. Il y avait ça. C'est pas ça qu'il me faut! C'est pas ça que j'ai de besoin! Je veux du shield! Pourquoi qu'il y a un raton laveur ici en... Un poulet, je sais pas quoi? Clairement, c'est un poulet. J'aime pas ce que ça fait! Bon, ici, il y a un joueur. Je suis désolé, mais... Ça, c'est un bot! Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ça c'est un bot! Je suis mort par un bot. Oh my gosh! Parce que ça prend 12 ans à recharger ce putain de gun! Mais je comprends que c'est fun! Tu sais,
on va toujours juger des jeux. Tu vois, je veux dire, ça depuis la nuit des temps, depuis que le jeu est jeu, quelqu'un qui aime Fortnite, soit que la bande avec qui tu joues trouve ça cool, soit qu'ils vont trouver que t'es ringard parce que « Oh my God, Fortnite, c'est juste pour les jeunes, les bébés. » L'humain va toujours être des enfoirés, d'accord? Ils vont toujours juger ce que tu fais. Tu dessines bien, tu dessines comme une merde. Tu fais de la peinture, ta peinture, c'est de la merde, tu vois? T'aimes Fortnite, t'es une merde. T'aimes BeamNG? Oh my gosh, t'es pas un vrai joueur de véhicule parce que iRacing, il y a juste ça de vrai. Il y a toujours des gens pour cracher sur une autre communauté, tu vois. Surtout des jeux qui deviennent très populaires. C'est surtout la même chose dans la musique. Tu vas aimer des jeux, de la musique qui est extrêmement populaire. Tu vas aimer Taylor Swift, par exemple. Oh my god, moi, ce que j'aime, c'est écouter de la musique tellement indie que personne connaît. Moi, je suis tellement real. Donc, juste... Le jeu est cool. Fortnite, c'est cool. Je veux dire, c'est un jeu qui avec pas de construction, c'est agréable. Je veux dire, je vais pas jouer, je suis pas bon dans ce genre de jeu-là, mais je comprends. C'est agréable, c'est stressant. Est-ce que tu vas réussir à faire un top 1? Tu joues en équipe avec tes amis, tu cales des choses, ramasse, viens m'aider et tout. Mais pas de construction, je trouve ça nice. Et yeah, c'était le fun! J'ai trouvé ça cool! Qui sait? Je vais peut-être pouvoir aller... Au salon ici, puis essayer éventuellement d'autres choses. Il y a peut-être des trucs, vous allez me dire dans l'espace commentaire, style, oh my gosh, il faut absolument que dans le menu, tu aies joué à, je sais même pas comment qu'on fait là, ici. Bon, tu vois, à la une, il y a tellement de catégories déjà, c'est incroyable comment que ça a changé. Je sais même pas comment qu'on fait pour venir. Quoi? Enfin bref, j'imagine que je dois sortir de ce salon-là. Retour, ah, ici, voilà, Rocket Racing ou même Lego Fortnite. Je veux dire, ça a l'air super cool. Qui sait? Donc, à vous de me dire. Je vais peut-être m'amuser à faire... J'ai envie de faire des petites vidéos comme ça. Juste, on se détend, on découvre, on se casse pas le cul. That's it. Je vous aime. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye.